إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Donc, nous en sommes arrivés au verset 203 de Sourate Al-Baqarah. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens des versets: invoquez Allah pendant des jours comptés. Celui qui aura hâté son départ au deuxième jour n'encourt pas de blâme, pas plus que celui qui le diffère au troisième, pour peu qu'ils aient la crainte d'Allah. Craignez Allah et sachez que c'est auprès de lui que vous serez rassemblés. Donc ces versets parlent encore de certaines règles liées au pèlerinage, au hajj. Allah tabarak wa ta'ala ordonne qu'on l'invoque pendant des jours comptés, à savoir les trois jours succédant à la fête de l'immolation, en raison de leurs bienfaits et de leur noblesse, et dans la mesure où le reste des rites se fait au cours de ces jours-là. En raison du fait aussi que les pèlerins sont considérés comme les hôtes d'Allah tabaraka wa ta'ala durant ces jours. C'est pour cela qu'il a interdit de jeûner pendant ces jours-là. Aussi, ces jours possèdent des mérites que ne possèdent pas d'autres jours. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les trois jours de Tashriq, c'est-à-dire les jours succédant à la fête de l'immolation, sont des jours où il faut manger, boire et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala concerne son évocation lors du jet des pierres sur les stèles, lors de l'immolation, ainsi que les évocations déterminées qui sont faites après l'accomplissement des obligations cultuelles. Certains savants estiment pour leur part qu'il est préférable de mentionner la glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière absolue en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand ces jours-ci. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit: celui qui aura hâté son départ au deuxième jour, c'est-à-dire celui qui sortira des limites de Mina et aura déferlé avant le coucher du soleil du deuxième jour, n'encourt pas de blâme
pas plus que celui qui diffère son départ au troisième jour. C'est-à-dire, celui qui aura passé une troisième nuit et jeté les pierres sur les stèles le lendemain n'encourra aucun blâme lui aussi. Il s'agit là d'un allègement de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ses serviteurs pour choisir l'option qu'il désire. Cependant, il est établi que bien que les deux options soient permises, différer son départ au troisième jour est préférable car il permet d'accomplir beaucoup plus d'actes d'adoration et de dévotion pour Allah tabaraka wa ta'ala. Puis quand Allah tabaraka wa ta'ala dit l'iman ittaqa, c'est-à-dire celui qui se prémunit de la colère d'Allah et du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci est la taqwa. La taqwa, c'est le fait de se prémunir du châtiment d'Allah. Comment on se prémunit du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala? En accomplissant ses ordres avec une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire une science, en espérant la récompense d'Allah. Et en délaissant ses interdits avec science, en craignant le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala insiste à la fin de ce verset sur le fait qu'on lui retournera et qu'on sera rassemblé devant lui. Quand Allah ta'ala dit dans le sens, craignez Allah et sachez que c'est auprès de lui que vous serez rassemblés. On sera rassemblés auprès de lui et il nous récompensera selon nos œuvres. Celui qui s'est prémuni du châtiment d'Allah en le craignant, alors il trouvera la récompense de sa crainte auprès de lui. Et celui qui ne l'a pas craint, alors il trouvera la rétribution de ses péchés qui sera un châtiment très dur. C'est pour cela qu'il est très important de connaître la récompense des actes. Car ceux qui poussent le plus à craindre Allah tabaraka wa ta'ala et à se prémunir contre son châtiment, c'est le fait de connaître les récompenses et la valeur des œuvres que l'on accomplit. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, versets 204 à 206, il est des gens dont les propos relatifs à la vie de ce monde te séduisent et qui prendront Allah à témoin de ce qu'ils ont dans le cœur alors qu'ils sont ses pires ennemis. Sitôt qu'ils t'ont quitté, ils œuvrent à semer la corruption sur terre en ravageant les champs et en détruisant le bétail. Or Allah n'aime pas la corruption. Et si l'on vient à lui demander de craindre Allah, sa fierté le conduit à s'obstiner, la Jahannam aura raison de lui. Quelle détestable couche! Après avoir ordonné de l'évoquer continuellement, surtout dans les moments propices aux évocations, en ce qu'il y a comme avantage, bien et faveur, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala cite l'exemple de celui qui dit avec sa bouche ce qu'il ne fait pas et dont les actes contredisent les paroles. Or, les paroles élèvent l'homme ou l'amoindrissent. Effectivement, si la personne agit en concordance avec ses paroles seront un témoin pour lui et elles l'élèveront. Alors que si ses actes contredisent ses paroles seront une cause de l'amoindrir et de le rabaisser. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans cette optique, dans le sens des versets, il est des gens dont les propos relatifs à la vie de ce monde te séduiront. C'est-à-dire, lorsqu'ils parlent, leurs propos plaisent aux gens qui pensent qu'il s'agit de paroles utiles et importantes. Bien plus, pour attester de leur bonne foi, ils sont prêts à prendre Allah à témoin. Et ils disent, Allah est témoin de ce qu'ils ont dans le cœur. Pour dire que ce qu'ils ont dans le cœur est conforme à ce qu'ils disent. Or, c'est là un pur mensonge de leur part. Car ce qu'ils font contredit ce qu'ils disent. S'ils étaient sincères dans ce qu'ils prétendent, leurs propos auraient été conformes à leurs actes. Comme c'est le cas des croyants qui ne sont pas comme les hypocrites, dont les actes contredisent les propos. Dans ce verset, il y a une preuve que les propos qui émanent des gens ne constituent pas des arguments prouvant leur sincérité ou bien leur imposture, prouvant de leur vertu ou de leur turpitude, jusqu'à ce que les actes viennent confirmer
et attester cela. Il est fait aussi obligation de tester les gens pour distinguer le sincère du menteur, et ce à travers leurs actes et leurs situations, sans se laisser abuser par leurs propos et leurs prétentions. Il a dit ensuite que si on invite ce corrupteur sur terre à craindre Allah, il fait preuve d'arrogance et sa fierté le conduit à s'obstiner. Il ajoute ainsi à ses mauvaises œuvres l'arrogance envers ceux qui lui donnent le bon conseil. Alors Allah Ta'ala a dit en parlant de cette personne, « La Jahannam aura raison de lui, quelle détestable couche !» Sa demeure sera donc la Jahannam, qui est la demeure des pécheurs et des arrogants. C'est là la demeure du supplice éternel, du souci permanent, du désespoir continu. Ses habitants n'auront ni répit et n'espéreront aucune récompense. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux beaux parleurs dont les actes contredisent leurs paroles et faire attention à cette langue qui peut être la cause d'enfoncer quelqu'un dans les fins fonds de l'enfer avec une seule parole, et se concentrer sur les actes. Faire attention aux prétentions, faire attention à ne pas chercher à plaire aux gens et en même temps à attirer la colère d'Allah sur nous. Qu'en as-tu à faire si les gens sont satisfaits de toi et auprès des gens ils disent que tu es quelqu'un de correct et auprès d'Allah tu es quelqu'un de détesté? Il est mieux pour toi que tu sois inconnu des gens ou même méprisé par une grande majorité d'entre eux, mais auprès d'Allah tu es aimé. Quelle valeur a cette vie de ce bas monde? Elle n'a pas la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs et nos intentions et de parfaire nos actes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salli Allahu ala Muhammadin wa ala alihi.